as you pick me up, lift me from the floor up to my knees, to my knees. When you've had enough. Réveillons un Grenoble en compagnie du soleil qui fait son grand retour. Et on espère qu'il va pas nous quitter pour ces deux derniers jours. Surtout que les combinaisons sont encore un peu humides et que la pluie d'hier a drastiquement fait chuter les températures. On aimerait bien faire sécher un peu tout ça en roulant. On met la doublure, on sangle les affaires et on dit au revoir à Nico qui est contraint de nous quitter pour reprendre le boulot le lendemain. C'est bien, c'est bien. Non, c'est super. Je t'avoue que ça me met un peu le cafard de le voir partir. La devise de ce road trip au départ, c'était on part ensemble, on rentre ensemble. Je l'ai fait chier toute la soirée d'hier pour le motiver à rester, mais c'est comme ça, on le savait dès le début. On se dit au revoir comme il se doit, avec la promesse de se donner des nouvelles sur nos avancées respectives, et il est temps pour Raphaël de prendre la direction du lac de Grand Maison. I'm always paranoid you're gonna change, or you'll get sick of my bullshit and turn and run away. I know that love's a game, not overspray. We live and fight another day. When things are dead, the vultures pray. I'm overthinking anyway. From another weekend's escapades, I always wake led in another bed I never made. Forget the reason why I celebrate, the recklessness I demonstrate. Started with the loss of another king we can't replace. Just like the years have scarred my face, I drink and take and hardly taste. What depends how long this party takes. Well, that depends how long this party takes. Just like the years have scarred our face, we drink and take and hardly taste. Well, depends how long this party takes. Well, that depends how long this party takes. So please don't ever walk away. Walk away. Vraiment magnifique ce petit lac. Bon, artificiel encore une fois. Mais avec toutes ces cascades qui dévalent les montagnes pour venir se jeter dedans, on a encore le droit à un sacré spectacle. Et on va en profiter un peu plus aujourd'hui. C'est l'étape la plus courte de ce road trip, avec environ 330 km. Mais faudrait pas arriver à la bourse sur Aix-les-Bains ce soir non plus. On reprend donc la route pour rejoindre le col de la Croix de Fer, qui se trouve juste à côté. Walk away.
Comme je te disais tout à l'heure, c'est l'étape la plus courte de ce road trip. Ce qui nous permet de prendre un peu plus de temps pour profiter des différents spots prévus sur la journée et aussi pour se ménager un peu. Je t'avoue qu'on commence à ressentir la fatigue accumulée tout au long de la semaine. Déjà du fait des multiples variations de température qu'on subit et peut-être aussi parce qu'on ne mange pas énormément pendant qu'on roule. Les organismes sont fatigués, on commence à avoir des douleurs aux poignets et à d'autres endroits du corps, si tu vois ce que je veux dire. Mais on tient bon et on ne s'écarte pas de nos objectifs. On reprend la route et on continue sur notre lancée pour rejoindre le village de Montvernier et ses célèbres lacets qui n'en finissent jamais. On arrive au pied des lacets de Montvernier. 18 virages sur 4 km, un peu moins de 300 mètres de dénivelé, le tout sur une route à peine plus large qu'une voiture qui ne laisse pas le droit à l'erreur et avec en prime une vue franchement chouette. Bref, tu ne passes limite pas la deuxième, mais cette route est incroyable à rouler. Mate-moi ça. Il est temps de repartir. On continue sur cette petite route qui doit nous mener au col de la Madeleine. Le GPS nous dit de prendre à droite ici, mais dans mes souvenirs, c'était pas vraiment la route prévue. Je t'explique, j'ai switché entre ossements des Google Maps pour éviter une petite section pas vraiment intéressante en bas du col. Grosse erreur, mais je fais quand même confiance aveuglément au GPS. La route a l'air nickel, donc on continue sur celle-ci. Mais plus on monte,
plus on constate que le bitume se dégrade jusqu'à arriver sur une piste. On a déjà fait 3-4 km et je t'avoue que j'ai un peu la flemme de faire demi-tour. La piste est plutôt propre, donc je prends la décision de poursuivre. Mais comme pour le bitume plus tôt, elle va vite tourner en un mélange de grosses pierres et d'énormes flaques d'eau. Et ça, sur environ 10 km, jusqu'à rejoindre la route qui va nous mener enfin au sommet du col de la Madeleine. On dit merci Google. Mais ça va pas le sentir. Putain. N'importe quoi. Bah ça fera un peu de off-road. J'ai peur de regarder l'état du pneu. Oh ça va. Mis à part cette petite piste, on a quand même traversé des coins bien sympas au travers de ces alpages. Avec encore une fois, une vue magnifique. Je pense pas qu'on aurait eu la même chose en passant par la route. On va pas se plaindre. Ça donne quand même sacrément envie de off-road. Mais peut-être plus tard. En attendant, ça nous a fait perdre quand même un peu de temps. Mais on retrouve la route et on va pouvoir remettre un peu de gaz en descendant ce col. Ça fait plaisir de retrouver des routes propres et bien rapides. On profite alors pour mettre un peu de gaz, c'est la première fois de la journée qu'on se l'autorise. Et attaquer sur ce genre de route au panorama exceptionnel, on peut pas rêver mieux.
On arrive sur Albertville. On en profite pour se ravitailler en eau et manger un petit truc. L'après-midi est déjà bien entamé et on n'a rien avalé depuis ce matin. On s'enfile ça vite fait et on est reparti en direction du massif des Bauges et du Mont Revard. C'est avec cette vue sur le lac du Bourget et Aix-les-Bains que s'achève notre journée. Et quelle vue, sérieux. C'est peut-être bien la plus belle qui nous ait été donnée de voir de tout ce road trip. Donc si tu passes dans le coin, va faire un tour au Mont Revard. Ça vaut franchement le détour. On en profite une dernière fois et on descend rejoindre notre hôtel pour la nuit. Mais avant de se coucher, on va quand même profiter un peu de la piscine. Allez, bonne nuit. On se retrouve demain pour notre dernière journée. Dernier réveil pour cette dernière journée de ce road trip. C'est le moment de rentrer. Et on n'a pas tellement la motive ce matin. Peut-être parce qu'on sait que ce soir, tout sera fini. On n'a pas envie que ça s'arrête. Mais comme on dit, toutes bonnes choses ont une fin. En attendant, on a encore quelques spots à voir avant de mettre un point final à cette aventure. On prend le temps de s'enfiler notre petit déj, on sangle les affaires pour la dernière fois, et on prend la direction du Grand Colombier. Pas mieux faire comme dernier col, hein.
mais on n'est pas encore en haut. On reprend les bécanes et on va voir ça. C'était là notre dernier sommet d'envergure. On passe de l'autre côté et on continue notre montée vers le nord pour rejoindre la vallée de l'Ain. Failli m'encastrer dans un chien vraiment. Ah bon ? Dans un petit village avant Touarette là. Ouais. Le petit village d'avant, t'es passé. Sous le côté, t'avais des escaliers qui descendaient d'une maison qui était un peu plus haute. Mmh. Je sais pas si tu l'as vu toi le chien. Non. Et là, il y a un chien qui déboule sur la droite, et genre, il est en plein milieu. Il est pilé comme ça. Le pneu l'a fait. Parfait. C'est à côté, je vais pas toucher, mais serein comme tout. C'était encore chaud cette histoire. C'est pas le moment d'avoir un accident. Pas si près de la fin. En parlant de fin, le barrage de Vouglan était le dernier spot à voir. On aurait dû y voir une fresque monumentale sur sa face aval, mais les pluies diluviennes du début de l'été ont retardé le chantier. On peut déjà voir quelques traces avec un œil attentif. Ce dernier spot étant atteint, on se concerte avec Raph sur la suite à tenir. Est-ce qu'on tire direct par l'autoroute pour rentrer le plus vite possible ? Est-ce qu'on suit le trajet prévu, plus long mais pas forcément intéressant ? Ou bien on laisse faire le GPS, au plus vite, en évitant les voies rapides ? C'est cette dernière option qu'on va choisir, histoire de faire durer encore un peu plus le plaisir. Mais à partir de là, ça va plus s'apparenter à la petite balade dominicale, sur des routes et des paysages qui ressemblent fortement au coin de chez nous.
voilà presque un autre point de départ. C'est l'occasion de faire un petit bilan de tout ça, non? Entre les petites chutes sans gravité, les soucis de timing, la météo parfois capricieuse et les pistes pas vraiment prévues au programme, on s'en est franchement pas trop mal sorti pour un premier gros road trip. On aura traversé des paysages plus incroyables les uns que les autres, et tout ça sur 2800 km, tout en restant en France. Y a pas besoin d'aller bien loin pour être complètement dépaysé. Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer, notamment au niveau des bagages et ce sac à dos qui m'aura franchement fait chier tout le long. Mais c'est en faisant qu'on apprend, et toutes les erreurs accumulées nous serviront pour les prochains road trips. D'ailleurs, à l'heure où je sors cet épisode, je suis déjà en train de monter celui de cet été 2022. On va quand même pas s'arrêter là. Même si c'est dur physiquement, perso, j'ai chopé le virus, et j'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Et j'espère qu'on en fera aussi longtemps qu'on le pourra. En attendant, on finit d'avaler nos derniers kilomètres sous le soleil couchant. On profite d'un dernier arrêt pour immortaliser ça, et il est temps de clôturer ce chapitre. Mais on se dit à très vite, pour de nouvelles aventures.